Alors, première actualité, je vais dire un mot de la collecte. Elle est en cette année si particulière, très impressionnante, je dois le reconnaître. On est à 6 milliards et demi de collecte nette à mi-parcours, donc on est ravis de ça. On collecte sur à peu près toutes les classes d'actifs, aussi bien évidemment du volume sur des positions d'attente que des investissements sur des supports plus longs, aussi bien en actions qu'en obligations. Donc c'est aussi bien, je dirais, en termes de volume qu'en termes de répartition de produits, un mi-parcours qui est particulièrement intéressant. Donc on est ravis de ça. C'est un beau début d'année. On est dans le déploiement de notre logique de société multispécialiste. Donc on renforce cette approche-là avec l'arrivée notamment de Xavier Hoche comme Chief Investment Officer chez Groupama Asset Management. Et puis l'arrivée aussi de Philippe Chomel qui vient développer dans cette approche multispécialiste la gestion value chez Groupama Asset Management, qui est une des briques que nous n'avons pas actuellement et qui nous intéresse particulièrement. Alors c'est arrivé sur le tard par rapport au parcours global, mais c'est arrivé très naturellement. On est né société de gestion pour le compte de Groupama, on s'est développé sur le monde institutionnel, de là les passerelles se sont développées entre ce monde institutionnel et le monde de la distribution, plutôt wholesale au début. Et puis il y a un moment où naturellement on arrive vers ce monde retail, le monde de la distribution, le monde des CGP, et ben, il faut mettre des moyens, il faut accompagner. Donc à l'intérieur de l'équipe de Mathieu Peintureau en charge de la distribution, on a mis en place un dispositif dédié au développement auprès des CGP. Antoine Dumont nous a rejoints depuis quelques mois. Il est vraiment la tête de Groupama, la tête avancée de Groupama pour réussir ce challenge sur les CGP. On a beaucoup d'ambition, mais on a surtout beaucoup d'envie. C'est un segment de clients qui nous plaît énormément, sur lequel il y a une dynamique importante, et on est heureux d'y être présent et d'y être un acteur important. Merci beaucoup. Avec plaisir.